c'est bien King. On peut dire que vous savez amuser les filles, vous. J'avais simplement prévu un chouette dîner et un bon film. Comment pouvais-je savoir qu'il se mettrait en colère? Le gros Hugh n'aime pas beaucoup que des types draguent sa petite amie. On peut pas faire grand-chose, Joe. Alors Rita, un petit dernier pour la route? Vous avez entendu ça? Entendu quoi? Sparky! Vous le connaissez? Ne restez pas là! Nous devons partir avant que le gros Hugh arrive! Trop tard! Yes, oui, en avance sur vous. Messieurs, tuez-les. Hé, attention, vous mettez les mains, sales vicieux. Rattrapez-les. Il devrait déjà être mort. À l'heure qu'il est. Ouf, nous avons eu chaud. Je dois en tout cas reconnaître une chose, King. Vous avez terminé la nuit en beauté. Au fait, j'ai complètement oublié. Je dois aller chercher Faye Russell, la célèbre actrice de cinéma, dans moins de 8 heures. Allons-y, Sparky. Est-ce que je vous verrai un jour, King? Seulement si vous avez de la chance. Attends-moi ici. Je vais monter chercher Miss Russell. Anderson, qu'est-ce que tu fais ici? Et où est Miss Russell? King, tu es vraiment un imbécile. Tu croyais vraiment que j'allais te laisser transporter Faye Russell, la plus belle actrice de notre époque, au-dessus de la jungle d'Amazonie? Oui, j'ai eu le contrat de manière tout à fait régulière. Tu es encore plus crédule que je ne croyais. Arrête de plaisanter, Anderson. Je dois décoller avec elle avant les orages. J'ai fait le plein de l'avion et je suis prêt à partir. Pas cette fois-ci, King. J'aurai l'argent et la fille. Mais c'est mon actrice préférée. En plus, si je n'ai pas cet argent, je risque de perdre mon avion. Ça fera un concurrent de moins pour la compagnie du Belge volant. C'est moi qui emmènerai Faye en Amazonie pour sa séance de photos. Et j'en tirerai toute la gloire. Bientôt, je serai le maître des airs. Eh, tu peux pas faire ça. Si, je viens de le faire. Maintenant, tu peux toujours essayer de sortir d'ici, King. À plus tard. Je file. J'ai un avion à prendre. C'est fermé. J'avais une chance unique de rencontrer en chair et en os la plus belle actrice du monde. Je viens de me faire descendre en flammes. Et je me retrouve coincé dans cet hôtel minable en plein centre de Rio. Il faut que je trouve un moyen pour sortir d'ici. Voilà, ça devrait marcher.
Tiens, j'ai trouvé une serviette. Bonjour, je suis Mike Larris, le portier de l'hôtel. Que puis-je faire pour vous aider? C'est au sujet de cette clé. Oui, qu'est-ce qu'elle a? J'ai besoin de vous l'emprunter un moment. Désolé, mais cette clé est celle de Mademoiselle Lola. Je ne peux pas vous la prêter, sauf si vous êtes un de ses amis. C'est encore au sujet de cette clé. Que voulez-vous savoir? Je suis un ami de Lola. Elle m'a demandé de venir chercher sa clé. Oh, mais il fallait le dire tout de suite. Vous pouvez la prendre quand vous voulez. Merci. Ça marche. Ah, bonjour Lola. Tiens donc, mais c'est Joseph King. Comment ça va? Beaucoup mieux, depuis que tu ne fais plus partie de ma vie. Lola, j'ai besoin de ton aide. Oui? Alors, quoi de neuf? Ma tante Dorothée ne va pas très bien. Quoi? Qui est cette tante Dorothée? C'est une vieille sorcière folle. Je n'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Peux-tu m'aider à sortir d'ici? Tu crois que je vais risquer de perdre mon job pour t'aider à t'enfuir? Oui. Et pourquoi devrais-je t'aider? Il m'a fallu longtemps pour oublier ce que tu m'as fait. Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Encore heureux? Va me chercher une serviette et je verrai ce que je peux faire. Merci Lola, t'es vraiment la meilleure. Voilà ta serviette Lola. Merci. Alors, tu veux sortir discrètement de ce taudis? Je crois que j'ai une idée. Quel genre d'idée? Voyons voir. Ah, je crois que j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Tu peux utiliser cette robe pour te déguiser. Tiens. Merci. Tu sais Lola, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Oui bon, d'accord. Et maintenant, tu ferais mieux de filer d'ici. Mon numéro est dans 10 minutes et je suis même pas habillée. Bon, il est temps de sortir d'ici. Vous m'avez appelé, Dr. Ehrenstein? Oui. Je veux que vous assistiez au test de mon rayon pineau. Grâce à lui, je peux transformer les humains en humanoïdes pinosaures. Regardez cette petite démonstration. Maintenant, j'active le rayon. Fascinante! Elle s'est transformée en monstre devant mes yeux!
Vous n'avez encore rien vu. Regardez. Lorsque j'allume l'optimiseur d'agressivité, bientôt, elle ne sera plus qu'une masse vibrante des terreurs dinosaures. Il n'a pas l'air très féroce. C'est un petit problème technique mineur. J'ai fait réparer ça très vite. Malheureusement, c'est mon dernier spécimen. Il me faut d'autres Amazones. Ensuite, je pourrais créer une armée de dinosaures pour envahir le monde. Dépêche-toi, Sparky, il faut arriver à l'aéroport le plus vite possible. Hé ! Ce n'était pas Lola ! C'était King ! Rattrapons-le ! Merci de m'avoir attendu, Sparky. Oh oh ! Rico et Eddie nous collent au train. Attendez une minute. Il y a quelque chose là-dessus. Il est temps de faire une vidange. La prochaine fois, je vous ferai les freins. Allez, Sparky, à l'aéroport. Bon, mademoiselle Russell, tout semble en ordre. Vous pouvez monter à bord. Enfin ! J'attends ici depuis des heures. Mon temps coûte cher, vous savez ? Oui, bien sûr, si vous le dites. Bon, allons-y alors. Une minute, Anderson. Ne bouge plus. Hein? Qui êtes-vous? Personne, Fay. Montez dans l'avion. Je suis Joe King, propriétaire et pilote de cet appareil. Mais vous m'avez dit qu'il était à vous. Ne l'écoutez pas, Fay. Tu ne pourrais même pas piloter dans un simulateur. Sur mon avion, il n'y a pas de roulette d'entraînement. Ce n'est pas vrai! Tu as dépassé les bornes, King. Attends, c'est pas tout. Pourquoi l'avez-vous frappé? Il avait bien cherché, Miss Russell. Personne ne veut les clients de la reine de l'Amazone. Je le trouvais plutôt mignon. Joe! Laissez-moi deviner. Ce type va me dire que c'est lui le propriétaire de l'avion, non? Non, Miss Russell. C'est mon ami Sparky, mécanicien de l'Amazone Queen. Il faut nous dépêcher! Une grosse tempête est en train de se lever! Bon, il est temps de décoller.